bah du coup, nouveau vlog, encore sur les quadris. Cette fois, qui c'est ce monsieur-là, hein? Donc, on a Morgane, notre petit pyro de la team qui est là. On va faire la séance quadri ensemble. Ensuite, on va s'occuper de mon cas pour virer la flotte avec un massage, avec une lame, tout ça. Donc, ça va être le top. On a également ma chérie qui va nous suivre sur la séance. Donc, on s'entraîne tous les trois et on va filmer tout ça. Voilà. Au niveau des repas, je ne les filme pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en journée basse. Hein, donc, quasiment pas de glucides, mais c'est normal. On est sur la fin et on tire les derniers kilos, on va dire, de la sèche. Voilà. Allez, c'est parti. When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. When you feel like quitting, remember what you're doing it all for. When you feel like quitting, remember pain is temporary and greatness lasts forever. When you feel like quitting, remember that the pain you feel today will be replaced with the strength you need tomorrow. Remember that every ounce of pain you feel is building a stronger you, a stronger body, a stronger mind, and a stronger character. So push through the pain. Don't let it stop you. Force it to grow you. When you feel like quitting, remember why you started. Look deep within, you're stronger than a Spartan. You're stronger than you think, no longer faint-hearted. You've been here before, you battle hardy. Whatever's happening in your life, you make it through the pain. Whatever struggle that you're facing, you can make the change. Remember those who said you'd fail and let that fuel your flame. You might be down today, but you are not the same. You might be down, but you're not out. You might be down, but you ain't knocked out. Get off your back, if you can look up, you can get up. Wipe all the blood and sweat off. Look in the mirror, and then take in the view. This is the newer you, a stronger version. Get back on track, stick to your purpose. Remember that the key is consistency. The harder the battle, the sweeter the victory. Remember why you started. I think about it every morning. You were made it through the hardship. If you put all of your heart in. So remember why you started. I think about it every morning. You were made it through the hardship. If you put all of your heart in. So remember why you started. You didn't come this far to quit. And even though the world's against you, you can handle it. You didn't come this far to quit. Get back and get and make the shift. You got haters to prove wrong. You got doubts to prove wrong. You got dreams to move on. Don't let them go to waste. So that thing that you're working on, don't quit halfway and let somebody else come and take your place. You got heart, no excuses. You work hard, no excuses. It's too hard, no excuses. You're too stressed, no excuses. You're too tired, no excuses. It's too tough, no excuses, no excuses. You've got to be ruthless. This is a new you, a stronger version. Get back on track, stick to your purpose. Remember that the key is consistency. The harder the battle, the sweeter the victory. Bon, bah, dernière séance de quadri en France terminée. Voilà, avant le départ jeudi pour Las Vegas. Du coup, là, il y a Morgane qui a fait la séance avec nous, qui va venir à la maison pour déployer sa table de torture, et qui va me faire tous les muscles à la lame pour enlever l'eau, tout ça, pour les détendre juste avant le départ. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça commence à bien tirer. Donne à fond les derniers jours, derniers kilos à virer pour être prêt de chez prêt et ne rien regretter, carte pro ou pas carte pro. De toute façon, la décision elle est prise, c'est qu'après la compète, retour à mes 125 kilos d'avant, retour en mode gros. Gros, je parle en termes de volume. Voilà, donc si c'est avec la carte, tant mieux, et si c'est sans la carte, tant pis, ça ne m'empêchera pas de le faire et de remanger. Voilà. Bon, on y va, ma chérie? Oui, manger. Allez. C'est la Viette qui l'a dit. À tout à l'heure. Allez, pas chercher profond là comme je le fais.
tout seul en tout cas. Ça sert à... Enfin, ça sert, mais si vous savez pas le faire non plus très bien, vous allez plus vous blesser qu'autre chose. So nothing great is going to come if you quit. I know it's hard. I know you. Et l'avantage que vous avez sur des sportifs comme ça, c'est qu'ils sentent les bienfaits directement. Contrairement à monsieur, madame, tout le monde, où ils vont dire ouais, bon, ça détend un peu, hein, mais pas plus que ça. Ah, je m'en fous, je me vends le reste, on fait quoi là. Là, c'est moi qui fais moins le malin, ouais, c'est ça. Lui, c'est une fois, moi, c'est tous les jours. En vrai, avec Florent, vous mourrez pas de faim. Ça vous inquiétez pas. Non, c'est plutôt bien, ça. Foncez, hein, vraiment. Pour ceux qui ont peur de crever de faim. Hein. Non, vous allez plutôt crever parce que vous mangez trop que l'inverse. Vous avez tout fait. Donc là, c'est surtout le vaste interne que je viens chercher isolé. Le pire, c'est... En fait, vous verrez, généralement, chez les gens, vaste interne, vaste externe, vous avez des déséquilibres. Le vaste interne sera beaucoup plus sensible que le vaste externe. Faut bien aller chercher. L'avantage, en fait, vous avez voilà, un gros steak. Vous avez un steak. De côté, vous cherchez isolé. Cassez un peu les adhérences. Pareil pour ceux qui ont un peu mal au niveau au-dessus de la rotule, de la patella. Vous venez juste détendre un petit peu. Sûrement votre quadri qui est un peu inflammé et qui crée des petites tendinites. Vous venez détendre. Après, il y a pas mal de protocoles à faire aussi, mais ça soulagera toujours pour limiter les inflammations. Stick it out and get your reward. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu veineux, mais pas plus que ça quand on va regarder, enfin, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Logiquement, demain, après-demain, quand ça va totalement reposer, ça va exploser dans tous les sens. Et après, bah, la semaine prochaine aussi, il faut juste continuer à détendre musculairement, ramener un peu de sang. Donc, comme on disait avec Flo, faites pas des grosses séances avant une compète pour pas congestionner dans tous les sens, avoir deux poteaux à la place des jambes. Quoi. Ramener un peu d'afflux sanguin, ça suffit. Minimum 5 à 7 jours avant. Enfin, maximum. Il faut surtout pas que. Bon, on va dire 7 jours, c'est bien. Dernière séance suisse, 7 jours avant, c'est parfait. Dans ces alentours-là. De toute façon, tant que vous faites pas un truc trop violent juste avant la compète, vous aurez pas de poteau, ça va rester défini, vous allez avoir une vascularisation qui va arriver. Le but, c'est juste ça hein, avant la compète. Hein. De toute façon, c'est vasculariser la chose. Hein. Le taf, il est déjà fait. C'est pas une semaine avant que vous allez vous dire faut que je porte 200 et puis ça va faire le boulot. Voilà, aucune utilité à ça. Après voilà, il faut vraiment penser que c'est pas que du massage bien-être qui fait du bien. Non, c'est du massage à utilité utilité mécanique aussi. La utilité sportive, hein, mais... C'est pas celui que vous allez vous faire le dimanche tranquillou devant un film, quoi. Tiens, une petite question aussi.
peut-être que tu as la réponse. C'est moi. Qu'est-ce que tu conseilles pour justement tous les buddies qui prennent l'avion, qui voyagent avant, tu vois, pour éviter de faire de la flotte dans les cuisses, tout ça? Chaussettes de contention. Voilà, ce que j'ai pris moi aussi. Hein. Après, vraiment, bah, ça se décrit un par un. Et c'est plus le médecin G qui va vous apporter la réponse en fonction de plein de choses. Hein. Mais chaussettes de contention, bas de contention, c'est un bon début. Voilà. Relâchement musculaire, vous massez. Vous massez de temps en temps. Buvez aussi, parce que de toute façon, forcément, ça va aider. Mais non, après, si en fonction de pathologie, certaines pathologies, pensez au médecin. Il est là pour ça. Moi, je vole pas son métier, chacun son taf. Et pour ça, bas de contention déjà. Ouais. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas mal. De toute façon, c'est ce qu'on utilise généralement quand les jambes gonflent. Donc, ça, faut surlever un peu les jambes. Marcher un peu dans la journée. Marcher. De toute façon, en fait, dès que vous allez faire de l'activité, ce sera bon. Hein, l'activité n'est jamais mauvaise. Faut penser à ça, dans tous les cas. Si quelqu'un vous dit mettez-vous au repos pendant X temps, bien sûr, il y a des particularités. Hein, mais... Normalement, c'est sympa. Le corps est fait pour bouger. Bougez-le, il sera content. Donc vraiment, ce qu'on fera sur les prochaines avec Flo, on essaiera de venir 2-3 jours avant avec les athlètes pour mettre ça en place. Pour ceux qui seront sur Paris, je les verrai une semaine aussi avant, une semaine 10 jours même, pour vraiment tout séparer et faire du fignolage avant une compète. Donc là, Flo, je vais pas le suivre à Vegas, hein. Je l'aime bien, mais peut-être pas abusé non plus. Mais après là, c'est le but, ça va être juste continuer de masser, détente. S'il y a quelqu'un sur place qui peut le faire, bah, tant mieux. Ce sera du détail. Hein. Mais voilà, allez, vas-y, marche. Bon, c'est pas du boulot, ce sera fait. Ouh. Ouh. Donc là, on voit bien la différence entre les deux, hein. Niveau vasculaire. Il n'y a pas photo, et encore parce que c'est rouge donc vous ne voyez pas autant. Mais c'est juste impressionnant. Travail vasculaire, demain vu que ça va être totalement détendu, ça ressortira encore plus au réveil. Prends une photo demain. Je t'enverrai. Donc là on va passer sur l'autre jambe, sur celle-là je pense qu'il a déjà bien, on l'a déjà bien massacré. Ouais. Bah l'autre jambe et puis voilà. Ça sera pas trop mal. Donc là, Morgane explique. Donc là, à droite, on voit bien qu'il y a une différence de vascularisation, et même au niveau de la contraction, en fait. Vous voyez totalement que c'est totalement dessiné. Au niveau vascularisation, ça ressort totalement, ouais. Contrairement à gauche. À droite, c'est là qui n'est pas fait, tu vois. Et logiquement, après, dis-moi toi ce que tu ressens à la marche. Quand tu marches, c'est des plus légers, plus lourds. Mais à gauche, il devrait se sentir aussi beaucoup mieux. Ah non, mais à gauche, ça, tu te sens complètement... Alors sur le coup, c'est pas forcément agréable quand quelqu'un vous le fait. Ça tire un peu. Par contre, après, c'est totalement détente. Puis là, attends, on vient de faire les cuisses, mais quand on va être reposé après une semaine et sur scène, c'est clair que ça va pas être... Donc là, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Là, j'ai fait un premier passage. Si tu te souviens, chez Romain et Dylan, on avait fait 3-4 passages. Ouais. Donc ça va être à peu près pareil, on va faire 3-4 passages histoire de vraiment régler la chose. Enfin régler la chose. Accélérer un peu la récup et vasculariser. Mais voilà, donc ça c'est les jambes, on verra après sur le haut du corps. Le haut du corps je le ferai pas spécialement sur les bras et l'épaule, les épaules ça sert à rien. Ouais. Mais beaucoup sur les trapèzes. Ouais. Trapèzes, latissimus dorsi, donc grand dorsal. Pourquoi grand dorsal? Parce que sur toutes les poses quasiment il est mis en jeu. Sur toutes les poses de dos, ça va être en jeu. Sur double biceps, ça va ressortir dans tous les sens. En masse musculaire, il me semble que vous le faites aussi. Ouais. Donc ça va ressortir. C'est bien vraiment de l'isoler aussi. Important sur toutes les poses de dos, il me semble que ça joue beaucoup au niveau des placements. Surtout en classique, tu vois, j'ai beaucoup de poses où on met en avant la ligne. Tu vois. Donc la ligne, c'est quoi? Bah, c'est la taille fine, rentrer le ventre et puis bien évaser
Avec les dorsaux, hein, tout simplement. Donc voilà, comme en fin de taille bah, vous augmentez ce qui est en haut et forcément ça ressort plus. Hein. Donc un travail, en fait, c'est ce que j'explique pas mal aux patients qui sont body. Prenez une Ferrari, vous allez sur l'autoroute, vous mettez plein de balles, à un moment donné vous avez plus d'essence. Sauf que vous avez la Ferrari, vous continuez d'accélérer. À un moment donné, vous tombez en panne. Donc là, c'est exactement pareil, votre muscle, vous le contractez. Admettons, il est contracté tout le temps, comment vous le contractez encore plus sur scène? Le faire ressortir encore plus. Prenez un muscle qui est totalement décontracté, après aller le contracter, vous verrez une différence qui est flagrante. Prenez un muscle qui est contracté de base, en fait, il n'y aura aucune différence, parce qu'il sera déjà contracté. Donc le jury, lui, va voir un muscle qui est contracté, c'est bien, mais aucune différence par rapport aux autres. Donc non, c'est bien de tout détendre et d'être totalement relâché avant de monter sur scène. Pour ça, vraiment, c'est compliqué à dire hein, pour des athlètes qui vont monter sur scène. Mais détendez-vous, relâchez-vous, vous prenez pas la tête avant de monter. Parce que vous allez, un, vous contracter dans tous les sens, faire de la flotte. Donc deux choses qui vont quand même jouer beaucoup sur le jury. Et le fait vraiment de vous détendre, vous décontracter, faites-vous des massages, automassages, même si vous êtes un peu affaibli avant le passage. Ça fera toujours du bien, ce sera toujours des petits points qui vont être grattés par-ci, par-là. Et qui feront qu'après, au final, vous aurez la médaille avec le 1 dessus, quoi. Donc bon, là, deuxième petit passage, et puis j'en fais 4 à la suite sur cette jambe, 4 à la suite sur celle-là, et on passe au haut après. Je pleure. Pourquoi tu pleures? T'es mignon. Là, ça, c'est pour la diète, ça. Ah ouais, mais... Du mec qui mange comme un malade. Donc à savoir que ça c'est pas mal de le faire une semaine avant une compétition. Donc le faire 2-3 jours avant c'est bien, une semaine c'est optimal. En fait, vous le faites une semaine avant et vous refaites beaucoup de détente 1-2 jours avant de monter et vous aurez des résultats qui vont être mais oufissimes, explosifs. En France, ça se fait pas assez. Ça se fait pas assez. Beaucoup aux États-Unis. Évidemment, si on a avant bien respecter sa diète et son training. De toute façon, en fait, si je le fais sur quelqu'un qui n'a pas respecté sa diète, qui est totalement flotteux avant, il n'y aura aucune utilité. Hein. Les veines ne ressortiront pas, ce ne sera pas détendu. On peut pas partir d'un physique zéro pour arriver à un truc à 100% juste en faisant ça. C'est vraiment une association, vraiment. C'est du détail, mais du détail qui vaut la peine quand tous les autres paramètres ont été respectés, bien sûr. C'est ça. Après, l'idéal vraiment à faire, c'est quand vous avez un athlète, c'est travailler en binôme avec son coach. Et là, vous avez des résultats qui sont royaux, parce que, admettons, moi, sur quelqu'un, je trouve un muscle qui est déficitaire, j'en parle au coach, après, c'est le coach qui va faire le réglage. Moi, j'ai tenu 2-3 exercices à donner à l'athlète, mais après, le coach fait les réglages qui vont régler des problèmes de posture. Et une bonne posture, c'est pareil, vous aurez beaucoup plus de facilité à faire un bon posing. Si quelqu'un est totalement recroquevillé vers l'avant, impossible qu'il fasse un posing qui est excellent. Impossible. Prenez quelqu'un qui se tient droit, qui est fier, il sera ouvert, il aura plus de prestance. C'est ça. Ce sera magnifique. La prestance sur scène, ça joue aussi sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, on la gagne aussi, moi je parle même pas en tant que préparateur, mais en tant qu'athlète aussi avec mon expérience. On la gagne la confiance déjà en étant prêt. Parce que quand on est prêt à 200% et qu'on se sent prêt, forcément, on est confiant. On n'a rien à regretter. Et deuxièmement, c'est aussi de savoir qu'on y va pour s'amuser, de s'éclater, de se détendre, de bien se détendre avant. Et voilà, de relativiser, en fait, hein, tout simplement. Ne pas se mettre de pression. C'est bête à dire, hein, mais c'est tellement important. C'est ça, et puis C'est pour ça que j'ai toujours eu cet état d'esprit, moi, où voilà, je vais une compète, j'y vais pour gagner parce que je suis un compétiteur et on est là pour ça. Mais je ne me mets pas non plus une pression, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et puis un athlète, même s'il perd sa place, c'est un athlète, donc il va rebondir derrière et faire le nécessaire pour gagner la fois d'après. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la salle, hein, c'est que tant que vous avez fait le taf,
Le taf est fait, après s'il y a meilleur, il y a meilleur. Exactement. Mais si le taf est fait, venez en confiance, venez détendu. Votre système hormonal, il vous remerciera. Votre corps vous remerciera, vous ferez pas de flotte pour monter sur scène. Parce qu'on en voit, enfin, il y en a pas mal des athlètes qui vont stresser juste avant la compète, qui vont faire de la flotte. C'est dommage parce qu'ils étaient prêts, mais pas totalement à 100% dedans. Et pourtant, ça aurait pu faire des très bonnes classes. Sur un contrat, Teflon. En fait, là, c'est tout bête, mais sur un athlète comme ça, vous voyez déjà tous les muscles. Donc pour moi, c'est facile. Vous voyez, il y a une séparation ici, il y en a une ici, vous en avez là, vous en avez ici. En fait, j'ai juste à faire hop, relâche, juste sur la séparation. Donc là, j'y vais un peu au doigt, mais pareil avec la spatule, j'ai vraiment sur la séparation. Et on casse les adhérences. On casse les adhérences, c'est ce qui fait que dans une semaine, ce sera totalement séparé, il n'y a aucun souci sur ça. En plus de la diète qui fait tout le taf avant. Hein. Et voilà, c'est du petit détail, donc on devient peut-être un peu rouge. Hein. Mais c'est rien. Ça, ce sera parti. Et puis même si vous le faites le matin de la compète avec le tan, de toute façon, ça se voit pas. Ok, vas-y, marche un peu. J'arrive même pas à contracter, mais je sens que d'ici une semaine, c'est bon. Alors, on va tirer là-dessus, donc forcément, un peu plus compliqué de contracter. Hein. C'est pas forcément très agréable comme massage, faut le savoir, hein. C'est faut s'y attendre. Donc là, ça va, Flo, il dit rien, il a pas spécialement mal non plus, hein, mais. C'est, ouais, moi, voilà. j'ai un rapport bizarre avec la douleur. Mais... je n'ai pas mal. On comprend quand on est ses athlètes. Hein. Un rapport très bizarre avec la douleur. Donc là en fait on utilise juste une petite spatule, ça s'appelle un Graston, pour vraiment vasculariser toute la zone, enlever les adhérences. Il y en a qui le font à la main. Moi j'avoue que je préfère totalement avec cette petite spatule. Ils le font beaucoup avec la spatule. Et en fait les ostéos le font beaucoup avec la main et les chiro beaucoup avec la spatule. Mmh. Est-ce qu'on est feignant ou est-ce qu'on veut faire du gain de temps? C'est possible aussi hein. Les deux sont efficaces. J'avoue que la spatule, j'ai eu beaucoup plus de résultats, notamment à Colmar, ouais. Où on a découpé 2-3 athlètes qui étaient vraiment bien. Un vrai travail d'asiat. Surtout que c'est pas compliqué à faire, ça tout le monde peut se le faire. Après, bien sûr, il y aura d'autres connaissances que nous on a et que monsieur et madame tout le monde n'auront pas, mais tout le monde peut se le faire. Bon, faut être un peu maso pour le faire, j'avoue, mais ça fait toujours du bien. Il y a pas mal de petites choses que vous pouvez vous faire, rien que du massage. Faites un peu de rouleau de massage, de la détente musculaire. Et t'en penses quoi, Marianne, aussi? Tu es un truc super intéressant, je vais te poser la question. Tu sais, on fait beaucoup la pub en ce moment et l'apologie là, de ce fameux pistolet à percussion pour la détente musculaire. Bah, j'en pense que du bien, parce que c'est pareil que le mien, en fait. Donc même se faire seul et tout, ça vaut le coup? Ça vaut toujours le coup. Après, c'est un petit investissement, mais pour ceux qui sont sportifs de haut niveau, ou même bons sportifs, ça vaut toujours le coup. En fait, vous évitez vraiment beaucoup de blessures musculairement, c'est top. Après voilà, c'est toujours un petit truc en plus. Moi, c'est truc tout bête hein, que je donne à mes patients, c'est vous prenez une balle de tennis, vous le faites contre le mur, vous le faites au sol, ça coûte 1€. Voilà, ça suffit. Pas besoin de se casser la tête à mettre 500€ dans du matériel médical. Moi, je mets le prix parce que forcément, je l'utilise tous les jours. Mais monsieur, madame, tout le monde, une balle de tennis ou tout simplement un décathlon, les rouleaux de massage ou les balles de massage, ça suffit largement. Et pareil, une autre question aussi, donc j'y pense. Qu'est-ce que tu penses de l'électrostimulation complexe? Que du bien. Après, il y a deux utilisations. Il y a ceux qui vont faire l'électrostimulation sportive. C'est bien pour... voilà. Moi, pour te dire pourquoi je te pose cette question, parce que j'avais fait des vlogs justement où je mettais en avant.
Pourquoi? Parce que bon, moi j'en ai acheté un performant là, sans fil et tout ça. Alors j'ai essayé en utilisation sportive, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. Par contre, je l'ai énormément utilisé en récupération cette année sur mes cuisses, qui était mon point faible évidemment. Et franchement, bah, j'ai trouvé vraiment une différence assez hallucinante. Récupération, c'était incroyable, tu vois, au niveau de la circulation sanguine, parce que j'ai eu gros problème de circulation sanguine dans les jambes. Ça m'a activé la circulation, ça a permis de régénérer mes quadris beaucoup plus rapidement, de taper des séances plus souvent, tu vois. Donc moi, c'est mon point de vue en tant qu'athlète, donc c'était savoir toi ce que t'en pensais. Point de vue médical, je dirais exactement pareil. Parce qu'au niveau sportif, je n'y vois pas beaucoup d'utilité. Du coup, c'est bien pour monsieur, madame, tout le monde, monsieur lambda qui est au bureau 10 heures par jour et qui ne se bouge pas, parce que ça stimulera au minimum le muscle. Mais au niveau récupération pour des athlètes, en fait, c'est le top. Forcément, ça coûte un certain prix, par contre. Ouais. Mais c'est le top parce que vous allez totalement accélérer la récupération. Donc forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, vous accélérez la récupération, vous augmentez la prise de masse musculaire, vous augmentez ouais, tout ce qui est vascularisation, même au niveau des membres. C'est top, donc moi je suis pour à 200%. 200%. Que ce soit complexe, parce que voilà, c'est la plus connue en ce moment. Mais bon, il y en a d'autres qui sont aussi moins chers pour monsieur, madame, tout le monde. Après, c'est vrai que la complexe est excessivement bien. Moi, j'en ai eu pour. C'était en promotion à 500 euros. C'est ça. Mais bon. C'est dans les prix de début. Il valait vraiment le coup. C'est ça. Parce que, bah, toi, t'es. Bon, t'es pas encore pro, mais bientôt. J'espère. Donc, non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, c'est vrai que vous en avez d'autres peut-être un peu moins chers. Après, faites vraiment attention à la qualité. Prenez pas du truc à 2€ made in je ne sais où, en fait, qui va casser ou qui va pas être du tout être utile. Quoi. La santé, faut vraiment penser que bah, vous avez qu'un corps. Quoi. Une maison, vous pouvez la changer. Un corps, non. Donc mettez le prix pour la santé. Ça va, hein? Au poil. Au poil. Contracte un petit peu. Ok. Tu bouges pas. Contracte un petit peu, qui. Contracte. Ok. Morgan est aussi comique. Il se produit dans des cabarets sur Paris. Au moins des cabarets. Il faut bien payer les études. Hein. Ouais, c'est ça. Quelque part. Allez. Okay. Bon, du coup, on filmera tout à l'heure pour le reste. Qu'est-ce qu'il y a, Flo? Je vais transpirer, mon pote. C'est pour ça que ça sort l'eau, en fait. Ah, quel sport de merde. Ouh, c'est peut-être un peu mieux, là. C'est plus sympa, là. Qui mange le plus, hein. Ceux qui mangent le plus avec les adducteurs. Ah ouais. Tu manges pas mal aussi. Putain, avec ça, s'il n'y a pas la carte pro, bah oui. Ça fait partie des détails, mais les détails sont importants à ce niveau-là. Voilà, du coup, ouais, ce que je voulais dire là-dessus, et rebondir là-dessus, c'est super important. C'est qu'en France, on n'est pas assez axé sur ce genre de détails. On minimise tout.
tout ça. Alors qu'il faut savoir que aux États-Unis, où les pros, tout ça, sont très très axés justement sur le côté massage, sur le côté récupération active, sur toute cette partie-là, elle est vraiment très 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 importante dans la préparation des athlètes. Et malheureusement, en France, c'est trop mis de côté. Alors, je sais pas si c'est par manque de connaissances ou de... Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, pour voyager souvent là-bas, c'est super important. Et c'est pour ça que je tiens à mettre Morgane en avant, parce que... Bah, parce que lui fera du bon travail avec vous. Moi, je vous prépare pour être prêt sur scène. Et lui, il finit le boulot pour être à 200%. C'est tout bête, les gens ne prennent pas soin spécialement de soit de leur santé, soit des détails. C'est ça. Parce qu'en fait, ils se contentent, beaucoup en France se contentent du minimum, et je l'ai vu en traitant les athlètes maintenant. Ils me disaient avant, en fait, je m'en fichais, j'étais prêt, j'avais ma diète, j'avais mon posing qui était bon. Mais derrière, ma santé, en fait, je m'en fous totalement. Et vous pourrez demander à ceux que je traite, hein. Je pourrais donner les noms, il n'y a pas de souci s'ils veulent que je les donne. Vous pourrez avoir des témoignages aussi, ils vous diront bien que, en fait, ils se sentent mieux maintenant. Et au niveau des perfs et au niveau confort pendant l'entraînement, en fait, vous mangez pas autant. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus fluide et vous arrivez sur scène en étant totalement relax, totalement détendu. Alors tiens, j'ai une petite question, Morgan. Est-ce que de faire tout ce qu'on fait permet justement de détendre le système nerveux, de se débarrasser des toxines qu'on peut accumuler, tout ce stress pendant une prépa et tout ça? Alors ce que je vais te faire aujourd'hui, ouais, ça va pour les toxines, oui, on peut jouer dessus. Système nerveux, pas avec ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être vraiment du musculaire, ça va être améliorer la condition vasculaire, mais pas du tout toucher au système nerveux. Toucher au système nerveux, en fait, on le fait dans les consultations, ou on peut faire craquer via des ajustements. Craquer ou pas craquer, ça c'est vraiment un détail, on s'en fiche. Mais les ajustements qui vont mobiliser soit la colonne vertébrale, soit les extrémités, et qui vont redonner de la mobilité, des influx nerveux qui vont être importants. Pourquoi importants? Parce qu'en fait, ce que vous avez dans la colonne, donc la moelle épinière, ça dirige tout. Ça dirige tout votre corps. Et ça, vous le mettez en tension, vous le mettez à l'épreuve quand vous portez lourd. Donc vous allez à la musculation, vous mettez votre corps en charge. Bam, le système nerveux prend quelque chose. En fait, nous, on vient traiter. Et vous êtes beaucoup plus, comment dire, détendu, relax, performant. Et puis, votre corps fonctionne mieux. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire qu'au niveau alimentaire, vous gérez aussi beaucoup plus, parce que votre digestion sera meilleure, votre système hormonal sera meilleur aussi. Donc forcément, vous allez maximiser les taux de testostérone, minimiser le cortisol, augmenter tout ce qui est hormones du bien-être, donc meilleur sommeil aussi. Meilleur sommeil, meilleure récupération, prise de masse musculaire, dégradation du gras aussi qui est plus facile. Donc non, il n'y a pas énormément d'effets positifs à ça. Qu'on peut faire en consultation. Je le ferai pas aujourd'hui sur Flo parce que tout ça, ça a été géré en amont. Là, c'est vraiment du détail, du découpage. Ouais. C'est important que tu le signales, parce que c'est vrai que je pense aussi que les gens sont en manque d'informations à l'heure actuelle là-dessus. C'est très important de le signaler, quoi. On sent les nœuds des fois, tu vois. Je sais pas si toi tu les sens. Moi, de toute façon, je sens tout. Toutes les adhérences, tous les nœuds, en fait, ce qui est l'avantage sur les athlètes comme ça, qui sont déjà. En fait, vous voyez, il n'y a rien. Pas des rats, il y a un petit peu de flotte, mais il n'y a rien du tout. En fait, on sent tout. Tous les muscles, on va les sentir, toutes les adhérences, tous les nœuds, qu'on appelle ça communément des nœuds. C'est plus particulièrement des triggers, en fait. C'est des petites boules de concentration d'acide lactique. Qui sont faciles à faire péter, mais donc à dissoudre. Sensible un peu pour l'athlète, forcément quand il est sur le banc, vous pourrez lui demander. Mais l'effet est vraiment relaxant derrière aussi. Ouais, c'est ça. Tu souffles sur le moment, mais alors derrière, par contre. Et je vais dormir comme un bébé ce soir. Ah. Alors ce qui est bien, c'est que moi, vu que j'ai des problèmes de genoux en plus, à chaque fois que Morgan s'en occupe, ça vient me soulager aussi au niveau des rotules, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, même en étant en classique physique, maintenant, au niveau du poids, je suis beaucoup plus léger qu'avant, hein, parce que moi, être à 100 kg, bah, c'est le plus léger que je suis sur scène. Mais quand j'étais même poids lourd et tout ça, bah, supporter 130 kg sur les genoux tous les jours,
plus la charge de travail sur les quadrilles, bah forcément, il y a des petites défaillances derrière, quoi. Et des douleurs chroniques. Chroniques et qui peuvent dévier aussi un peu, surtout, c'est généralement problème de genoux, c'est problème de cheville, problème de hanche. Après, forcément, bah, le dos il commence à tirer, si le dos tire, les épaules vont tirer aussi. Ce qui est dommage dans ce sport, quoi, parce qu'on utilise tout le temps les épaules, même sur vos 100 jambes au final. Donc, non, c'est bien de se faire traiter de temps en temps, après, là, c'est pour du détail, vraiment. Bah, on va passer un peu de séparation. Allez.